C'est une pédagogie active où l'on fait pour de vrai. Les maisons familiales et rurales sont une autre façon de proposer l'école. Une philosophie au plus proche du terrain et des réalités du territoire. Elles forment des jeunes gens polyvalents. C'était ce jour la rentrée à Ao, tout en joie pour 28 élèves d'un peu partout de Polynésie. Leur avenir, la pêche et l'agriculture. On écoute le directeur de cette maison familiale et rurale. Il est interrogé par Mathieu Allo. En termes de matière, donc on a tout ce qui est l'enseignement général, français, maths, histoire, géo. Et puis après, on a des modules qu'on va dire professionnels, tout ce qui est attrait au monde de l'agriculture, donc l'utilisation de matériel agricole, ça peut être du broussailleuse, tronçonneuse, et puis aussi toutes les pratiques agricoles plutôt hors sol. Et puis aussi, on a un module aussi qui s'apprend plus à la pêche lagonnière, parce qu'on est au Tuamotu, et puis ça reste quand même un vivier important.